Bonjour à tous. Bon, suite et fin du problème de la CAF. Alors, j'ai pu les avoir. Les déclarations de patrimoine pour 2017-2018 validées. Je sais pas comment ils ont fait, la dame a regardé, c'est validé. Donc, elle me dit pas tenir compte du problème de l'APL. Sauf qu'il faut compter une dizaine de jours pour que l'APL soit, que le dossier soit retraité. Donc ça veut dire que je vais retoucher l'APL à partir du mois d'août, avec le même montant puisque rien n'a changé. J'ai appelé mon bailleur en lui demandant ce que je pouvais faire. Parce que bon, c'est un loyer qui va se monter à plus de 400 euros, hein, sans l'APL. Donc, faire opposition au loyer qui est prélevé le 10, donc ça je vais y aller demain. Et puis vers le 20, déposer un chèque directement au bailleur pour le montant du loyer. Lui, là, le mois d'août, il va récupérer deux APL pour le mois de juillet qui n'a pas été versé et pour le mois d'août. Voilà. La bonne femme de la CAF, j'ai été gentil, je me suis excusé je ne sais pas combien de fois, mais j'étais hors de moi. C'est inacceptable. Bon, j'ai parlé aussi d'une. Alors on me dit, ben, vous n'avez qu'à mettre un mot sur directement un courrier sur le site. C'est ce que je lui ai dit. Je dis oui. Quand on le fait, on a un mois et demi après. Bon, j'ai une amie qui est dans le même cas. Un mois et demi après, on n'a pas de réponse. Donc je dis, j'ai préféré quand même téléphoner. Au moins, le problème est réglé plus vite. Parce que si j'avais fait un courrier, j'aurais une réponse dans 2 mois, et pendant 2 ou 3 mois, le dossier, j'aurais plus d'APL, etc. Bon, voilà. Donc, je vais me reposer vraiment aujourd'hui, parce que là, hier soir, c'était anxiolytique et tout le bazar, anti-inflammatoire, parce qu'avec les douleurs, anxiolytique, pas trop bien dormi non plus. Et là, même ce matin, j'ai repris du passiflora parce que j'étais comme ça. Je m'excuse, j'ai dit à la dame, de toute manière, j'ai une chaîne YouTube, il y a plus de 1900 personnes qui ont vu la vidéo hier soir. Quoi, hier soir et ce matin. Voilà, bon, je vous remercie tous, hein, mais bon, j'espère que ça va servir de leçon à ces gens-là. Et puis, faites circuler la vidéo, faites circuler, faites circuler. Faut dénoncer les agissements de la CAF et c'est inacceptable de traiter les gens comme ça. Elle dit c'est automatique, c'est ceci, c'est cela, oui, mais bon, ça va bien. Quand on engage des programmeurs qui ne savent pas aligner 2 lignes de code l'une derrière l'autre, bon, c'est ce que je dis, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, ça fait 30 ans que je suis dans l'informatique. Moi, j'ai écrit, pendant un an, je me suis mis à écrire un logiciel de comptabilité qui faisait tout. Et c'est un logiciel de comptabilité, pour ceux qui font les programmations savent que c'est le truc le plus chiant à écrire. Je m'excuse, mais c'est vraiment emmerdant. Je sortais tous les documents, tout ce qu'il faisait, j'ai mis tout seul. J'ai pas fait d'erreur parce que ça a été validé par des gens. Donc, quand on est responsable informatique de la CAF et qu'on a des milliers d'allocataires qui peuvent être touchés par des problèmes, on fait attention. Voilà. La CAF, c'est vraiment habituel à avoir des problèmes, ou pas répondre aux courriers, pas. Bon, je vous laisse. Allez, au revoir.